Coucou, bienvenue pour cette vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on n'a pas fait la préparation au tournoi Red. Nous allons jeter du coup un petit coup d'œil. Attention. Cinq étoiles, bataille sanglante, pas de vert. Donc les bleus sont de sortie. Alors, pas de vert et les bleus sont de sortie. Toi, tu me sembles bien. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Lui pourrait être sympa. Verline, pourquoi pas. Un petit bourrin au fond ici. J'ai Pengui qui peut être cool. Frost qui peut être sympa ou Confou, un autre bon bourrin de service aussi. Oui, ça peut être une bonne idée. T'es genre, je suis à 5005. Ni plus ni moins. Comme ça, j'ai un dégommeur de sbires. Ici, il augmente l'attaque et il baisse l'attaque de l'autre. Un bon bourrin gratuit. Une bonne bourrine qui baisse le mana. Et un bon bourrin gratuit, comme on aime. Je vais peut-être changer la place de Brisos et Falline, parce que Brisos lui fait plus de dégâts, plus il y a d'alliés qui sont vivants. Or, si je te mets aussi au bout, ben ça va pas spécialement être sensationnel. On va peut-être inverser ces deux-là. Il y a Motega qui pourrait être sympa, vu qu'il fait des sbires ou des démons. Jekka, un proc qui peut être cool. C'est vrai que Jekka, un proc qui pourrait être sympa. Je pourrais mettre Car ici. Hop, je mettrai Confou juste là, histoire de mettre le petit doute. Et là, du coup, je mettrai. Skadi. Et là, le petit Mister. Ça peut le faire, comme ça logiquement il prendrait du violet, mais si c'est le cas, bah, tant pis pour lui, bon coup faut être bien bourrin. Sinon il peut prendre du bleu pour dégommer Brisos, mais si c'est le cas, et ben Kara et Confou auront l'avantage ainsi que les autres. Ouais, ça peut mettre le doute, ça peut être jouable. Question troupe, soit tu fais 23, 16, 11, ou alors 15, 19, 5, ou alors plutôt prendre une troupe défensive. Ici, on va garder celle-là. Toi, te concernant, j'ai pas grand-chose d'autre à te proposer. Pour le coup, la bête à 9 queues, avoir un lan qui est dans le coin, je suis pas aussi bien convaincu.
Je sais ce que je peux faire. Je peux mettre Arfanias à la rigueur. Comme ça, lien monumentaire, il est pour tout le monde. Et en plus, c'est un plus 10% de défense. Donc, c'est quand même du bon. Et toi aussi, tu donnes plus 10% de défense. Bah, ça donne du bon. Là, par contre, il y a forte chance qu'il parte sur du jaune, logiquement, vu qu'il y a deux violets. Mais si c'est le cas, Kara sera heureuse, donc ma foi. Pense que c'est jouable. Logiquement, il devrait partir sur du bleu, je pense. Du bleu ou du jaune. Mais je pense pas qu'il partira sur du violet. Ou alors s'il le fait, ben, ah ben c'est un peu culotté. Mais à voir ce qu'il en pense. Ici, j'ai 9-15-3. Ou alors 15, 9, 6, ouais, plutôt celui-là. Ça se joue. Kara qui misait face aux effets négatifs qui applique la défense, qui est le même paladin, et qui donnera plus 10% de défense à tout le monde. Ce qu'a dit Ubu qui pourrait dégommer les sbires. C'est jouable. Après, bon, il y avait d'autres options. Je pense que c'est pas mal. Bon, bah, ce que je vous dis à très vite. Bonne chance pour vous pour le tournoi. De coutume, les commentaires ou vous, quelle est votre défense en commentaire, sont bienvenus. T'as l'inspiration d'avoir d'autres idées. À très vite. Ciao, ciao!